Donc, vous arrivez à l'entrée du donjon. Je vais arrêter de parler. Je vais essayer de négocier avec ma mère que je parte pas. Je vais revenir dans genre 5 minutes. Je vais vous dire si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Négocie pour qu'elle t'envoie à une école aussi. Donc, vous arrivez. Est-ce que depuis le temps, parce que j'avais quelques petits. Quelques. Tu t'es arrêté à quelques. Quelques petites blessures. Bah, entre-temps, on a dormi, hein. Donc, tu t'es soigné. C'est un point de vie par temps que tu te reposes. Fait que tu t'es soigné au moins d'un point de vie là. Il te manque combien? Ils m'ont manqué 3. Ah, bah ça va, 300. Non, ben c'est ça. Dans le fond, tu sais, avant de te coucher, tu t'es probablement fait un sort de soins, puis tu t'es tout Ouais. soigné, là. Donc. Absalom ouvre. Regarde la porte et ouvre la porte voir si il y a des pièges puis tout ça. Et tout a l'air bien. Ok. Bah du coup je vais me déplacer. Fait donc toi J'arrive bien, je crois. fais un jet d'adresse. Ah, parce qu'il y a un... Ah oui, d'accord. C'est un trou. Oui, c'est un trou. Excuse-moi, j'avais pas vu, je pensais que c'était une grille. Un jet d'adresse. Bah, ça va être un G12. Est-ce que j'ai des trucs qui peuvent rentrer en compte? Est-ce que mon entraînement militaire peut... Non. Ça, c'est fini. Ah, tu fais le switch pour les nouvelles Ah règles? non, c'est ça. J'ai pas fait le switch. Ok. Faudrait que je le fasse, C'est excuse-moi. avec adresse. Oh putain. Bon. J'ai pas Au fait le moins ça va être un switch, jet pur. Hein. je sais pas. Bah faut que Du tu coup, ce sera un dises. jet pur, je pense. Non mais faut Un que tu jet dises pur à de 12. Benoît. Faut que tu dises à Benoît quel est l'ensemble des compétences que Ouais. tu avais pris. Et lui va te dire combien t'as de points en adresse, en puissance, en sorcellerie. Qu'est-ce qu'il y a Etc. d'autre? Oui. Ok. Fourberie et En compréhension et compréhension, en c'est ça. fourberie. Vu que j'avais entraînement militaire, survie, artisanat, force de la nature, Là, je te tout ça, demandais j'ai de me pas un les rush. écrire et puis pas de me les dire juste de même. Ouais. Ouais, je t'écrirai tout ça, je t'inquiète. Écris-lui sur un canal écrit là de. Tu l'écris vite fait. Ouais, je t'écrirai ça. Non, mais là maintenant, comme ça, tu sais tout de suite combien t'as dans les valeurs. Tu vas savoir combien t'as en adresse, en compréhension, en fourberie, en puissance et en sorcellerie. Ben pour le moment, je vais faire un jet naturel, et puis parce qu'il va pas calculer ça tout de suite comme ça. Hop. Bon, je passe pas, je crois. T'as ça bien. Donc, Newsy. Tu essaies de sauter, tu glisses et tu tombes dans le trou. Et ça te fait 7 de dégâts. Ok. Donc là, j'étais à combien, moi? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, ben, je compte pas vraiment les déplacements, là. Vous êtes juste.
Alors, mon chat, c'est une carte, il essaye de. Y a pas de gens à faire le singe. Ah bon? Oh bah sinon il avait fait 11. Ouais, ben il est grand, fait que tu sais, c'est juste un petit saut pour lui. Genre, si je ferais faire un jet, ce serait genre 3, qu'il faut qu'il y ait quelque chose de même. Hey guys, tu peux rester? on est rentré un peu. Alright. C'est bon. Par contre, les armes de prédilection et tout ça, je les garde ou pas? Ouais. Ok. C'est juste les compétences là que ça Ok. change. Donc du coup, il y a ça. Hop. Wow, c'est un peu de force ça? J'ai dû passer par-dessus? Ben j'ai plus 8 en adresse, fait que. Je sais pas, je pense que j'ai passé par-dessus. Il t'en manque une, hein, Niosi. Hein. Bah, je pense, hein. Moi, j'en ai 8. Des compétences. Ouais, mais Bah, il y a va en avoir leadership, autant. mais leadership, c'est pas une compétence. Non, moi, je compte pas leadership. Non, c'est parce que chaque Ça classe a dépend de la de. classe. Ouais. Ah, bon, peut-être, quoi. Non, Enfin, parce mon qu'après, acrobate, il y j'ai. avait beaucoup de. Ouais, Beaucoup non, de vos compétences. classes vont vous donner. De base, c'est 5 plus si vous avez une coupe de niveau. Puis vos classes peuvent vous en ajouter. Fait Ouais, que. ma Ouais. classe me faisait arme de prédilection, mais ça, tu m'as dit que je le gardais. Non, votre classe, quand vous commencez au début de la partie, à la création Ah du oui, d'accord. personnage, votre classe vous donne un modificateur. Donc, guerrier, si je ne me trompe pas, ça donne pas de modificateur de connaissances. Prêtre, ça donne le même parce que vous êtes tous les deux prêtres. Puis, Glorin, il y a barbare, de points, ça donne plus un. Le truc, Je. moi, puis à Ouais. celle-là, mon Sachant monstre. que lui, en tant qu'il est guerrier, il est quoi? Il est guerrier prêtre. Ouais. Ouais. Donc, c'est quoi qui est multiplié par deux pour lui? Moi, c'est Attends une mon minute là. aptitude de guerrier. Ouais, mais gay. Compétence de classe, Ouais. c'est quoi? Multiplié par deux. C'est Donc. mon attaque, j'ai plus un en attaque. Bonus de classe x Ouais. 2 à je sais plus quel niveau. Oui, mais c'est mon. J'ai Pour un un bonus à prêtre. l'attaque qui est de 2, du coup, au lieu d'être de 1. Non. C'est pas ça. Non, le. Ça va être 100 x 2, ça va être. Le bonus de niveau 7, bonus de classe x2. Ouais, ça va Mais être. c'est pas. C'est sur tes compétences. Ça va être compréhension. Tes nouvelles stats. Puis pour forger quelque chose, c'est adresse. D'accord.
Fait que là, t'avais eu combien? Ah, j'avais eu 2. T'avais eu 2. Ça fait 5. Ça fait 5, ça marche. Ça passe. Fait que ah, tu t'es pas blessé. Avec plus 8, est-ce que je passe? Ouais, toi, t'as pas de problème. Et la porte que je me tiens de main, c'est une porte ou c'est une grille ou c'est quoi? C'est une porte. Et c'est la statue. Il y a quelque chose de particulier ou la statue? Non, c'est une statue. C'est sketch, mais alright. Parfait, donc, Bekar, tu ouvres. Non, je vais laisser le. Absalom le faire. Ouais, je suis sûr qu'il peut le faire. Donc, je crois en lui. Vous avez tout bu votre potion. Ouais, ouais. Donc, oh non. Il ouvre la porte et tombe face au loup-garou. Le loup-garou direct. Oui. Juste comme ça, ça c'est un couloir, hein. Ça c'est le couloir du haut, donc vous passez en dessous de ce couloir-là. Alright. Ça te dit qu'on est comme ça. Donc, vous. Je vais vous mettre les tours. Du coup, rouler, moi je suis là aussi. Ah ouais, d'accord. Putain, je suis loin. Je fasse le tour. Hop là. Si on roule l'initiative, ça serait plus quoi? Plus rien. Ça serait... C'est juste le dé. Y a pas un bonus genre fourmi. Ça, c'est Absalom, hein. Non, ça c'est l'ennemi. Ça c'est Absalom. Oh. Absalom, il va commencer par courir. Non. Sauf qu'il peut. J'ai failli. Ça va pas bien. C'est vraiment quand les gens commencent à venir. Oh, ça touche, hein? Plus 12. Ça... Je connais pas les stats à Absalom. Je connais pas les stats à Absalom non plus, ça va pas bien. Mais ah, avec dire, moi, son affaire qui fait plus 5 des jeux de base pis tout. J'ai la fiche à Absalom, moi. Je vais te le dire. Alors, attaque fufu, dommage fufu. Sinon, arme. Ouais, il y a l'âme cachée, c'est 5. Plus 5 qu'il a, l'âme cachée. C'est une arme, son âme cachée est en quoi? Un mitril, tu me trompes pas? À moins qu'il ait récupéré dernière. Effectivement. Mais dans ce cas, faut modifier la feuille. À la base, il a 5. Sans. Avec une lame en acier. Ok. Ça me cache, c'est l'affaire qui a accroché après son poignet. Genre, c'est un petit peu comme c'est la lame d'Assassin's Creed, finalement. Là. Fait que c'est la même qu'il y avait qu'il y a eu tout le temps. Là. C'est un petit peu comme toi qui a eu le droit de garder tes armes. Là, parce que tu sais, ça se sont attachés après toi, puis ça fait partie de ton souk. Bah, du coup, il a deux lames cachées maintenant. Là. Ouais, mais. Ouais. Il y en a deux. Si on a dit, ouais, level up. Donc et il touche. À la base, il fait plus 3 gaz. Plus de l'arme. Plus 9, ok, 3. Puis, genre, une lame. Ah non, non, je me suis trompé, c'est 10 et plus 8. Le total. Il y a un total. C'est plus 8 au dégât. Place, arme, place, arme, plus lame. En total, c'est 10 et plus 8. Plus 10, plus 8. Ouais, j'ai que Absalom, j'ai pas la feuille de. Parfait. Donc, il donne un coup dans les côtes du loup-garou qui réalise qu'il se fait attaquer. Maintenant, elle est là.
Là, qui est pris dans le couloir. Bah, peut déclencher une aura. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était plus 1, si je me souviens pas. Si je me souviens pas, si je me souviens bien. Non, Plus 4. Plus 3 ou plus 4. T'es pas plus 4? Oh, si ça monte à plus 4, moi ça me dérange pas. Mais je pense que c'est plus 4. Y a au moins plus 3. Je sais pas s'il a pas monté plus 4. Puis, je sais pas. Ok. Donc, les ennemis. L'ennemi plutôt. Ouais. Oh non. Absalom, meurs pas, come on! Parfait. Donc. Perfectly balanced, as all things should be. Donc, Absalom a eu un gros coup et l'autre ça l'a pas touché. Bécard, c'est à toi. Fait que l'aura bénéfique c'est plus 4. Oui. Plus 18 alors. Oh hey! 30, est-ce que ça touche? Oui. Fait que les dégâts aussi c'est plus 4. Oui. Ça serait plus 17. Lâche à 1D. 6 plus 17 qu'on va doubler. Est-ce que 44 ça y fait un peu mal? Tu l'achèves. Yay! Ah, oh, j'allais rester à ma place pour le tirer une deuxième fois. Mais... Guys, le loup-garou est. Ok. C'est moi, je suis toujours en train de. Je suis toujours là-haut, alors. Il y a une deuxième porte droite là. Oui. Absalom, occupe-toi du corps du loup-garou. On va aller voir ça. Parfait, donc. J'ouvre la porte. Si je sais pas si. T'as déjà fait une attaque, hein, t'sais. Non, non, vous y êtes plus tôt, là. Faut vous bougez, vous dites ce que vous allez, puis. Je vais filer une potion à Absalom. C'est fait toucher. Comment ça Et puis, ensuite, je vais venir là, je vais regarder c'est quoi ce paquet-là. Truc vert. Bécart, tu pars tout seul, tu veux pas plutôt que je passe devant? Ben non. 44 dégâts en un tour, je suis sûr que je vais être capable de sortir. C'est pour éviter de te prendre trop de dégâts dans la gueule, mais... Ben non, je vais être correct, je vais être correct. J'ai encore l'amulette qui enlève 5 dégâts ou 1 dégât. Non, elle enlève pas de dégâts, elle fait juste un d'armure. Ah, non, 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 c'est vrai, je l'ai perdu. Oublie ça, laisse faire. On a plus les allumettes pétées. Les amulettes pétées, on les a plus. Il me reste juste mon truc de barbare. Donc, voilà. Le truc, c'est un drapeau. Qui est un genre de fanion de combat. Hein. Que la petite statue d'armure porte. Ça représente quelque chose? Ça représente probablement une famille qui vivait dans cet endroit-là dans le temps ou quelque chose comme ça, là. Tu sais pas. Le garou il a repris sa forme humaine une fois tué. Oui. Je dis ça, je dis rien, mais sa face est à moitié enlevée en ce moment. C'est vrai qu'une flèche d'acide fait que sa face ne peut plus ben être reconnaissable. Est-ce qu'il a quelque chose sur lui? Tu veux regarder où on sait pour les? Non, il est tout nu sur le sol. Ok. Fait que je vais avancer avec Newsy. Actuellement, Newsy va en avant, là. Je suis sûr que.
Ah, bah, je croyais que tu faisais mal, machin et tout ça. Non, 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 c'est toi le meilleur pour être en avant. Moi, je suis juste un pauvre petit ranger. Un barbare et fighter, mais ça part pas. Fait que c'est quoi la grille d'électricité? C'est une grille qui est à terre. Avec l'électricité dessus. Vous voyez pas l'électricité dessus en fait. Ok, ben j'avance alors. Si je vois pas l'électricité dessus, j'avance. Fait donc. Donc, bzz. Ouais, 4 de dégâts. Ok. Et attention, ça picote. Ça picote un peu. Je continue à avancer. Je vais essayer de sauter. Parfait. Enfin, Je vais essayer de sauter, genre. ouais, tout ça va bien aller, Mettre en là. halte. Je vais essayer de sauter comme ça. L'adresse? S'adresse, ouais. Pour sauter. Ok, alors Absalon. Je fais son jet. Il fait 12. Parfait, ça marche. Je peux pas déplacer Ayla par contre. Déplacer avec Psalon, je peux pas déplacer Ayla. Et là, se promène ailleurs, là. Moi, je fais mon saut. Ouais, attends, j'ai pas. Et avec. J'ai combien déjà? Le rôle bénéfique, c'est main sur tous les jets. Mais s'il avance pas, on va pas en bénéficier. Hein. Moi, j'ai 0 en adresse. Donc j'ai fait 7. Plus Sans avoir un 4. bénéfique. Ça marche. Et j'ai Le pas de dé où jet. j'ai roulé, c'était pour sauter par-dessus. Je pense pas que j'allais lancer. Ok. Alright. Cette fois-ci, est-ce qu'on voit les trous, right? On sait que ça va être des spikes qui vont sortir. Oui. Alright, mon personnage a un peu de logique. C'est bon ça. Ok, du coup, je donne un coup d'épée sur la dalle. Oui. Y a-t-il Et des spikes? quand les pikes, les pics qui sortent, j'essaye de les casser avec. C'est des pics en acier. Je sais quand même, je suis un fou, moi. Mais t'as une épée en Daedric, peut-être ça coupe à travers l'acier comme si c'était du Bah beurre. ouais. Pas Je à ce sais pas. point-là. Ben attends. Mais tu vois que c'est des plaques de pression. Tu sais, tu donnes un coup, puis ça monte un peu, mais ça redescend après ton coup. Ok, ben je saute. Je suis sûr que t'es capable. Ouais, Est-ce que tu bah veux ouais, que je je te saute. prenne dans mes bras pour sauter? Tu crois vraiment que tu peux me prendre dans les bras? Oui, m'a essayé, m'a essayé. Non, mais je saute du coup. Et c'est comme ça que Nuzima. C'est ça. Il va se faire Ouais, empaler. si vous faites des petits, mettez-moi de côté. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, fait que 1 des 12 plus 12. Plus 12. 16, ça passe ou ça casse? Ça passe. Hey, 16, 15, tu fais quelque chose d'impossible à faire. Ok, fait que je fais genre un triple salto dans genre 3 cm carrés. C'est genre tu marches sur le mur pour marcher sur le sol. Rien, ça marche aussi. C'est passé Absalon qui a sauté. Moi, je fais passer Ah. Absalon devant. Comme ça, s'il meurt, c'est Absalom. Ouais, c'est juste Absalon. Ah, j'ai oublié de noter le seul XP qu'on a eu. Ouais, Ça, c'est noté. mon jet. J'ai fait 11. Je peux Fait me que, battre. est-ce que le loup-garou valait un XP ou sinon il était trop Ouais, facile? oui, il valait un XP là. T'sais, je vais pas vous laisser une partie au complet, pas d'XP non plus. J'aurais bien voulu quand même essayer de se parler. Peut-être qu'on aurait pu le faire revenir normal. Absalon, il va inspecter le truc là.
C'est une grille pour. Pour aller mettre. Comme un storage, on dirait, ou une prison, ou. Quelque chose comme ça, là. Mais c'est vide. On peut-tu cogner? Il regarde sur la plaque. Il regarde sur la manette. La manette qui est à côté, s'il n'y aurait pas un piège ou quelque chose. Il n'y a pas de piège. Oh, bye, maman. Bah, du coup, va se mettre là. Excuse-moi, Nuzi. Non. Bon, bah, tiens, je vas-y alors. Active-la, toi. T'es fort. Okay. Toi qui es fort. Bah, pas vraiment. Mais ouais, ok, j'active la truc là. Donc, ben, t'ouvres la trappe, puis tu vois que c'est une trappe. C'est un petit espace, genre sous-sol, avec rien, puis c'est ça. Il y a rien. Il y a pas de squelette, il y a pas rien. C'est littéralement juste une trappe avec rien dedans. C'est littéralement une trappe avec rien dedans. Je vais rentrer. Je vais regarder un peu autour de la pièce avec. Je vais perceptionner pour voir un peu c'est quoi qu'il y a autour de la pièce, voir s'il y a vraiment rien. Il n'y aura pas un passage secret ou quelque chose comme ça? Ouais. Absalon, il regarde aussi. Ouais. Il n'y a rien. C'est juste une pièce. Vide. Avec 9, est-ce que je vois de la poussière? Y'a rien? Sur la poussière, effectivement. Y'a rien. Ok, guys, faut qu'on fasse une base d'opération ici parce que je suis pas sûr qu'il y ait rien. On va rester là combien de jours? Ben, techniquement, c'est le soir dehors, fait que vous pouvez rester là pendant toute la nuit, là. Quand je ressorte, je fais 1. Il faut faire quoi pour voir quelque chose? Tu fais 5, au moins. Newsy, viens t'en voir, je suis pas sûr qu'il y ait rien ici. Il a regardé, il a fait 10 à son jet, avec, c'est quoi, c'est de la fourberie ou c'est... c'est de l'adresse? Ah, c'est adresse, fait que c'est un ou l'autre, là. Plus ouais. 12. Et ben, il a fait 10 plus 2, 12. J'ai actuellement fait 16. En fait, c'est vrai que ça serait fourberie. Il a plus 10, hein. Donc il a fait 10 plus 10, 20. 24 c'est actuellement. Fourberie, c'est rien du tout. Je laisse tomber. Fait qu'il y a rien. Bah non, il y a 20. Est-ce qu'il y a quelque chose à 20? Est-ce qu'il trouve quelque chose à 20? Il trouve rien. Il y a rien. Non. Alors moi, je repars, là, je saute et je fais un beau foirage. Je fais, c'est adresse, hein. J'ai 0. Donc je fais 1 sur mon D12 quand je repasse pour. Quand tu repasses, pourquoi tu dis? Pour les pics. Ok. Et je fais 5 sur le deuxième. Ok. Les pics te fait 10. Puis l'électricité te fait 6. Je retire 1 à chaque fois. Si t'as ton truc, t'enlèves 1, ouais. Ok. Donc 9 et 5. Ah non, fais 22 pour l'électricité. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. J'ai commencé à marcher sur le plafond, là, à 22. Il n'y a pas de DC plus gros que 15. Alright. Fait qu'on devrait même pas jeter le dé si on a un modificateur de plus 15. Exactement. Je ramasse le corps du pauvre. Il y a plus de face, by the way. Désolé de m'annoncer. Je ramasse le corps du pauvre frère, là, et je l'embarque avec moi. Je le mets sur le dos de mon 5-4 pour me fatiguer. T'aurais pu attacher une corde à ses pieds, puis on aurait pu le trimballer en arrière pour frotter. T'as un peu marre de plus de face. Tu as dit, on part pas avec les armures, hein? Quelles armures?
Ah, les armures! Puis il pointe les 4 armures qu'il y a sur le mur. Bah, quand j'ai demandé ce que je regardais là, j'ai... T'as dit c'est quoi le truc vert? Ah, la statue, tu m'as dit la statue. Tu vas pas parler des armures. Les armures, c'est des armures. Bah, qu'est-ce qu'il y a comme armure? Ouais, c'est quoi les armures? C'est 4 harnois en acier. On va la ramasser, hein. Voilà. Est-ce que tu veux les garder pour ton Sim 4 cette fois? Bah, on va regarder au moins. On va voir ce qu'on. Bah, veux-tu juste que je t'en. On en vend 2 là, puis garder les autres? Essayer de faire quelque chose à mon Sim 4 avec ça, quoi. Alright. Lou. 2 Arnois. Ah non, mais 4, mais 4 pour l'instant. Ah non, non, t'en veux 2, je te donne les 2. Ouais. Je suis sûr que tu vas être correct. Peut-être qu'un seul ça suffira hein, pour le 5-4, je sais pas. Ok, m'en ouais. Mettre 4 là, mais. C'est bon. On les pack sur. Sur quoi actuellement qu'on les pack? Sur nous. On a le carry weight pour faire ça? Ouais, vous avez pas grand chose là. Oh, alright. C'est bon. Quoi? Est-ce que quand on les touche initialement, on devient cursed? C'est correct. Non. C'est pas cursed? Non, c'est des harnois normales là. T'es sûr qu'ils sont normales? Ils sont normaux, c'est pas normal. Ça marche dans les nouvelles règles du français. Retourne donc à l'école. Toi déjà apprends qui c'est Victor Hugo, puis après on en parlera. Vous dites que c'est français, qui? Vous êtes pas français, vous. Non, mais ils ont changé les règles de français. Il y a plus autant d'exceptions maintenant. Ça doit être ça, ouais. Ils ont généralisé un peu. Parce qu'apparemment, il y avait trop d'exceptions, puis ça mélangeait les gens. Mais oui. Fait que maintenant, tu peux dire cheval à la place de chevaux. Non. Oui, puis maintenant, cheval s'est rendu une exception. C'est ça. N'importe quoi, je vous jure. C'est ça, c'est intelligent. Tu sais, s'il y a trop d'exceptions, on a juste à faire en sorte que toutes soient des exceptions, comme ça devient normal. C'est ça. Ça m'en coule la langue française. Bon, fait qu'on va retourner en ville avec les armures et... Pardon, non, j'ai pris le drapeau aussi, juste pour l'apporter. J'ai dit que ça lui ferait une belle coiffe. Ouais. Et on retourne à la sœur du loup-garou. Est-ce qu'on y monte le corps ou sinon est-ce qu'on le couvre? Avec le drapeau. Ça pourrait être pour ça que t'as mis le drapeau. Ouais, mais ça serait-tu trop gentil? Ça serait trop gentil. Ça serait trop gentil. C'était lourd, fait qu'on l'a coupé en 4 morceaux. Du coup, on a mis le drapeau dessus. Ah non, gars, j'ai perdu mon morceau. non, mais c'est ça, on l'a couvert du drapeau. On l'emmène à la servante là. Donc vous arrivez dans Daggerfall. Et oh boy, il fait noir. Il y a un battle map. Bah. Il faudra que tu sauvegardes les paramètres de mon personnage. De remodifier la feuille. Hop là, oh mon dieu, c'est tout petit. De remodifier les paramètres dans le personnage. Bon là, j'ai 39, donc ça change pas, ça. Parce qu'en fait, j'étais blessé, j'étais à 39. Je vais peut-être me faire un soin. Quoique, ça peut attendre. Y a-t-il quelque chose qui se passe quand on rentre? Vous rentrez, c'est la nuit.
Oh non. Perso, guys, je dis qu'on devrait ressortir de Direfall puis dormir à l'extérieur. Ou, alternativement, on pourrait rusher pour aller jusqu'à l'auberge. C'est ça nos deux points en ce moment. Pas trop envie de rencontrer Roi. Bah, on va aller à l'auberge, hein, on va pas. Sur la map, elle est où l'auberge? C'est. Ici. Attends, parce que. Bah, c'est derrière qu'en face de nous, je crois qu'il y a la grosse bébête. Elle est là. Elle est derrière la grosse bébête. Là, j'ai toute la map dézoomée, tu peux me faire un petit ping. Ah, oh, ok, drette là. Ouais. Ok, guys, je sais quoi faire. Je me rappelle d'où est-ce que c'était. Moi aussi, je sais quoi faire. Ah ouais, on va pas. Non, mais c'est le roi, un peu de respect. Quand même. Est-ce qu'il nous respecte, nous? Bah oui, il veut sa vengeance, fait que. Hein? Ouais, mais s'il nous attaque, il nous respecte pas. Bah c'est pour ça qu'on va pas le laisser nous attaquer. J'aime bien comment t'essaies de nous diriger vers par le fantôme, puis pas passer par les rues vers le sud. Hein? Ça, c'est le chemin que vous connaissez. Là, vous savez que où sont les petites flèches que je vous ai mis, que ça, c'est la rue, et où sont le X, c'est où sont l'auberge. Vous savez pas. Vous êtes pas sûr. Il y a un autre chemin qui est pas tout à fait un chemin ou ce qu'il y a là, qui est sur le bord. Vous allez peut-être être capable de contourner d'une façon quelconque de vous rendre à l'auberge. Mais. Vous êtes pas sûr à 100%. Mieux si, non. Tue pas le roi. Mais je le tue pas, c'est un spectre. Ouais, il est déjà mort. Pour le libérer de son maléfice. Oui, mais juste l'attaquer, ça va pas nous avancer à rien. C'est lui qui veut nous attaquer. Moi, pour le moment, je l'attaque pas. Pour l'instant, il est sur le tas. Bonjour, comment ça va? Bon. Alors, on va passer par la tribu, là. Tous les chemins mènent à Rome. Comme qu'on dit. C'est pas à Rome qu'on veut aller. Donc, t'arrives face à une porte. Grillagée. Oh. Et tu dis bonjour. Il y a une porte aussi où il y a Epsilon. Non, ça c'est un mur. Parce qu'Epsilon, il aime bien se frotter contre les murs. C'est une grille qu'il y a là. Une grille? Y a-t-il l'air de pouvoir que je pourrais l'ouvrir? C'est barré. C'est terrain privé. En fait, vu que c'est une grille, je vais te laisser la. Je vais te donner la map comme il faut. Là. Bon, en premier. New Z. Moi, j'ai 9 et 10 là. Ah non, c'est pas moi. Ça, c'est là. Donc, c'est une maison qu'il y a là. Un genre de manoir. Y a-tu l'air comme si on pouvait passer en arrière ici, genre? Ou sinon, j'arrive pas à voir très bien. J'arrive pas à voir très bien. Alors, donc, on a dit c'était. Du coup. Edith. Alright. Whatever. Je suis venu ici. Donc c'est un Newsy. Là, la lame secrète. Newsy, il va charger. Je suis Newsy. Oh, Dédric. Comment t'écris ça comment, Dédric? D-A-E-D-R-I-C. Non? Chose comme ça, là. Alors je charge. Parfait. Donc vas-y, fais ton attaque. Alors, tu es certainement le roi. Je ne tuerai peut-être personne. Qui sait. Du coup, ça fait. Donc, charge. Mais du coup, j'ai toujours mon bonus à la charge ou pas?
Oui. Bah oui, c'est juste tes compétences qui ont été transformées. Ouais. D'accord. Et j'avais rajouté en compétence une bonus à la charge. Mais c'est pas une compétence, ça c'est D'accord. une spécialisation martiale. C'était toujours ça. D'accord, ok. Ça, j'ai toujours. Les deux spécialisations martiales que j'avais, je les ai toujours. Ouais. Ok. Je fais 22. Je sais pas ce que ça touche. Je pense pas que vous avez besoin de grand chose pour toucher de toute façon avec. du coup, j'enlève. Ouais, tu peux nous faire un deuxième XP. Voilà, j'ai fait 17. C'est un autre T12. Ah oui, merde, pardon, excuse-toi. Oh. En plus, je te dis, excuse-toi. Je m'excuse. Ah, Séance. Voilà, C'est tout ça pour combien m'enlever déjà? un, quoi. C'est combien déjà un sort? Le point d'action? C'est 6. Sauf si c'est un utilitaire. Qui en prend plus ou moins? Donc, Qui en prend une moins? aura, c'est 6 points? Ouais. Ok, bah je m'arrête là alors. Lance Oh, mon aura magique. il y a un petit son qui fait un peu comme le fantôme. Donc j'ai balancé une aura maléfique. Et puis il y a mon SN4 qui va essayer de le croquer. Donc plus 6 en charge, 15. Ça touche. Et en dégâts, il fait plus 6, ça fait 11. Absalom. Et Ayla. Absalom qui va être joué par Drochakar aujourd'hui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Allez, il Parfait. va se mettre me recaler par là pour laisser la place aux autres qui voudraient passer. Au moins, c'est pas des lézards cette fois. Est-ce que la viande de ce mec Je vais vendre mes Donc, devant. Niaisy, le spectre te Like. touche pas. Ah non, j'ai 16, donc il ne touche pas. D'accord. Il fait qu'une action, le spectre? Tu nous as Ouais, non, donné c'est un vrai. or. Oui, la même que tantôt. Bon, ça T'as-tu marchera donné pas. un aura bénéfique? Ah, écoute, il touche pas anyway. C'est sur 16, là. Ah bah oui. Sur 16, ça prend un critique pour qu'il touche. Oh, mais il y a des copains. Est-ce que 15 ça touche? Oui. Alright, alors ça va être Putain, 1 plus 14. 1 des 6 plus 13. Il a été enchanté son arme, lui-là. Là. Plus son Ah, arc fait qu'il part des flèches magiques mais qui il sait qu'il y en a sortent de ça. plusieurs en plus de ces saloperies. Ouais. Allons. Ok, sur lequel tu tires? Sur le vivant ou la moitié mort Sur le vivant ou sur le Sur mort? la moitié mort ou le trois quarts mort? La première flèche, ça va être sur celle-là que Nuzi avait déjà attaqué. La deuxième va être sur celle-là qui vient d'apparaître, apparemment. Ok, alors. Donc le deuxième. Le deuxième va faire tant de dégâts. Du coup, est-ce que le spectre qui était mort, qui est revenu à la vie, est remort? Est-ce que les spectres se dissipent et disparaissent? Ouais. Ok. Parce que j'ai une arme Easy. d'Edric qui fait que ça touche.
Oui, ça Donc, prend absolument un arme d'Edric ou un arme en argent ou un mitril pour que ça. Je fais 13 sur la CA du gars. Du spectre. Oui, ça du touche. Spectre. Bah, ça peut être un gars. T'es allé tâter s'il avait des coronesses ou pas? Bah, tu peux rien tâter quand c'est un spectre. Ah, bah écoute, c'est peut-être un gars. Y'a même pas de jambes, c'est juste une robe qui flotte. Donc, t'achèves le fantôme. 2 XP? Ouais. Est-ce que du coup je peux regarder sous sa robe si c'était un homme ou une femme? Oui, dissipé. Ah non, parce qu'il est dissipé. Oh, c'est pas possible cette histoire. On saura jamais. Fait que t'es sûr qu'il y avait rien. Fait que tu tentes avant de frapper. C'est ça. Come on, ça a été 2 points d'action. Et c'est pas grand chose. Oh, quel dommage. Alright. Y a-t-il l'air d'avoir d'autres spectres qui s'en viennent? Ou sinon, on peut juste aller vers notre auberge en paix. Pas de ce que vous voyez là. Alright, ben on va rusher pour l'auberge. Juste qui est déjà prêt à rentrer. A pas le temps. Donc, il y a une clôture. On va contourner. C'est-à-dire qu'il y a des copains. Ah, ouais, non, il vient de passer à travers un fantôme. C'est une passe à travers un fantôme, effectivement. Je charge, du coup. Moi, je charge. Et je vais tirer 2 flèches. 3, 4, 5, Est-ce qu'on peut l'exploser instantanément, s'il te plaît? Ouais, allez-y. En fait, 3. 7, deuxième shot. 8, 9, 10. Ouais, écoute, je fais 23, à mon avis. J'y fais 33 de dégâts. Tu fais 16 de dégâts. 33 plus 16. Mâche 10, est-ce que ça passe? C'est ça, ouais, ça passe. Non, 12. 12, est-ce que ça passe? Ça passe? Ouais. Plus 11. 13 aussi. On a fait une belle petite attaque coordonnée. Fait que vous avez défoncé le fantôme. On l'a renvoyé en enfer. Avec Molarkban. Whatever son nom. Eh oh les fantômes, vous êtes tous des fantômettes. Donc... Mais le plot twist c'est qu'il y a actuellement des fantômettes. Ce serait ça. Donc, vous arrivez à l'auberge. Saint-Sauve. Aucun des 3 fantômes qu'on a défoncés, c'était le roi? Non. Et vous avez entendu, pendant que vous étiez à l'extérieur, vous avez entendu... vous avez vu, dans le fond, c'était des fantômes de... probablement de l'armée du roi. Et le roi qui criait « Vengeance! Vengeance! » en background, qui venait de plus loin dans les rues. Est-ce que sa voix était harmonieuse, au moins? Si tu veux, oui. Vengeance! Comme celle de Quasimodo. Parce que tu connais pas, t'iras voir. Voilà. Comme celle de Garou. Tu connais pas, t'iras voir. Moi, je crie dans le... Tu cries clinquement de verre? C'est ça que tu cries? Je balance des vannes, je dis ouais! Attends, je vais... Vous
Donc, vous... Vous avez votre nuit qui passe et on est maintenant le lendemain matin. Flon va aller au château pour aller rapporter un petit chien à la servante, hein. Mais Ah oui, moi, non, sera demain. pourquoi dormir? Pourquoi pas chercher l'autre au lieu de... Chercher qui, l'autre? Bah le roi! Parce qu'on doit quand même l'aider, normalement. On n'a pas trop envie de le désintégrer. L'aider pourquoi? C'est un mort-vivant? Ouais, mais c'est le roi quand même. Ouais. Puis l'empereur nous a demandé, là, genre, une de nos seules missions. Ben, il nous a juste dit d'arranger ça, non? On pourrait juste aller le tuer maintenant. Bah non, le but c'est pas de le tuer, c'est Ben, attends, de l'aider. Le but, c'est d'arranger le problème. On n'a jamais sorti D'arranger le l'option de problème, tuer mais le roi. si on le descend, il n'y aura plus de problème. Justement. Toi, Les t'es gens vont du pouvoir genre bien ma femme dormir. est casse-couille, je vais la buter, il y aura plus de problème. Je vois pas, il est où le problème? Ah ouais? T'es célibataire, non? Non, non, je suis pas célibataire, je te rappelle, j'ai 13 mots. Et on suit, hein, dans Il y en a combien que t'as buté entre-temps le... alors? Ben, tous ceux qui s'approchaient de près ou de loin. Tu divises le nombre de bouteilles de Jack Daniel's qu'il a bu par deux. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on s'en va buter le roi ou est-ce qu'on s'en va aller voir la fille le matin? On s'en va aller voir la fille, ben, on va pas On va buter aller le roi. C'est quoi Notre. qu'Absalom. Écoute, la Notre. pensée de Absalom est ultime. C'est quoi qu'Absalom pense? Mais on n'en sait rien ce qu'il pense. Mais je sais pas, peut-être que le Moi, ce GM que le je fais sait. le lendemain, moi, ce que je fais la première. C'est de prendre le corps du. De l'ex-loup-garou. Je le mets sur le dos du Senkat. Et j'allais voir la personne à qui j'avais dit qu'on s'occuperait du problème. Fait que tu vas te montrer avec le corps de son frère avec la face qui est un peu fondue. Alright, let's go, je suis down. Vous amenez le loup-garou à la servante et elle vous remercie d'avoir mis fin au tourment que son frère avait. C'est là qu'elle nous dit, mais c'est pas lui. Mais après, pour connaître la face à nous. C'est ça. Je lui propose de, dans à peine, à procéder à l'enterrement de la dépouille. Fait que c'est quoi la récompense? Vous le donnez à l'avance la récompense. Non, non, ça Mais c'est un down on l'a déjà. payment. Il nous faut la vraie récompense là, non? Mais non, on l'a déjà la vraie récompense. Après, la récompense, ça peut être que je la réconcilie pour son chagrin. Ça peut Toi, être une femme. tu veux encore faire des chatons, toi? Ah, mais c'est ça. Ah ouais. Faudra penser à aller chez la veto aussi castrer le le Khajiit parce que sinon ça va être compliqué les gars. Alright, fait qu'on va essayer de trouver Minisme. Minisera. Minisera, ouais. Fallait bête où elle déjà? Je demande à la servante. Sa chambre est au château au dernier étage.
Je peux voir. Est-ce qu'elle est partie récemment ou sinon elle est encore là? Elle est pas encore arrivée le revenu de son voyage. Mais Ah, c'est. allons détruire sa chambre pour être sûr qu'il comprenne le message. Elle a volé la lettre, non? C'est la lettre qui lui était adressée. Non, 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 je parle la fille qui a dit qu'elle allait être sûre de le donner aux mains de la reine. Et Non, c'est là. ça, c'est la reine. C'est la reine qui lui a dit, je le remettrai en main propre. La reine a... Ok. Quoi? Écoute bien, Toi, écoute t'es bien. vraiment pas allé à l'école, c'est pas possible, là. Ok. La lettre, elle était adressée à la reine. La reine, le nom, son, le, à la reine Minisera, qui était la femme de Lysandus. Ah, Lysandus est c'est mort. Donc maintenant, c'est son fils qui est Gotrid qui est roi. Donc sa femme, Obki, s'est rendue la reine. Donc elle, c'est plus la reine, mais c'était la reine. C'est rendu comme la reine mère. l'ancienne reine, c'est pas la Ouais, nouvelle. c'est ça. Oh my god, c'est tellement Voilà. compliqué. Moi j'ai Ben compris. non, J'ai c'est à juste que l'école pour t'arrives pas à comprendre ça, non? comprendre. Moi j'ai compris. Ouais, j'aurais dû aller à l'école. Là, on est où là? Vous êtes au Dans le château. château? Dans le château. Mais dans le château où il y a le roi et Vous la êtes reine. proche des cuisines, là. Ah, mais pour nous. Actuellement, c'est le nouveau roi et la nouvelle reine qui gouvernent. Oui. Oui. L'ancienne reine a fait quoi maintenant? Donc je demande à la Elle cueille des servante. fleurs. Je demande à Ben, la servante. elle est à la sépulture du roi, là, mais c'est quoi qu'elle fait maintenant? C'est quoi son titre officiel? J'ai demandé à la servante déjà Reine dans un mère. premier temps, je lui ai proposé de l'aider à enterrer dignement son frère. Procède à la cérémonie avec elle pour la soulager dans son chagrin. Et je lui demande à la fin de la si elle sait où on pourrait trouver l'ancienne reine. Soir. Ben oui, elle t'a dit que Est à sa la chambre sépulture. c'était à la dernière, Oui, au dernier étage. et est parti en voyage. Elle devrait pas tarder à revenir. Ça fait 2 jours qu'on est parti, fait que. Ben, revenez bientôt. Voilà. Alright, fait que. Ouais, ben on va juste attendre pour qu'elle revienne, on va pas aller détruire sa chambre. Est-ce que, de par notre renommée, on peut être accueilli dignement dans cette demeure par le possesseur des lieux, comme des autres, des invités de marque? Alors moi sûrement, après vous, je sais pas. Ben, comment j'ai essayé de faire mieux? Effectivement, effectivement. Le roi a le droit de dire oui ou non à pas mal n'importe qui dans vous autres. Sauf Nuzi, que Nuzi pourrait dire tu sais, je veux une place, puis il serait dans une mauvaise position pour dire non. Ben non, j'ai fait une insurrection à cœur ébène, là. Come on, je vais être populaire. Ouais. En tout cas, je sais pas ce qu'est leur position, mais Nuzi, ça reste quand même un des gardes de l'empereur. Ouais. Fait que il y a un des pas, y a des petits passe-droits que d'autres personnes n'auraient pas, là. Moi, je suis resté fidèle à l'empereur, je suis rentré dans Ouais. l'armée et tout ça, j'ai continué. Ben, c'est C'est vrai, moi comme, aussi, tu j'étais sais, fidèle à l'empereur. Qui veut pas ouais. être. Oh, tu t'es barré, moi, je suis resté à ses ordres et j'ai continué à évoluer Ah, dans son armée. d'essayer de donner des droits égaux à tout le monde, c'était les quatre. Ouais, bon, on s'en fout des Moi, je Kadji. suis Ouais, égal comment à ça faux? moi-même, en ce qui me concerne. Et partout où je vais, je lutte pour le bien. Que ce soit pour l'empereur ou pour d'autres races. Ouais, mais là. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je ne suis pas resté les pattes croisées à me tourner les griffes. Toujours pour la même Ah personne. bah non, on a vu le nombre de gosses que t'as fait, à mon avis, t'as pas fait beaucoup de choses non plus, hein. T'as juste 2 portées, c'est ça le pire. Fais On donc. voit quelle était ta mission pendant ces quelques années, hein, t'inquiète pas, hein, on a très Je bien vais pas compris. vous dire ça, qu'est-ce que vous croyez? Ah là là, celui-là, Starnaker.
Parfait, donc c'est comme ça que la partie va se terminer pour aujourd'hui.